Bonjour, mon nom est Amin Marat, économiste en chef du groupe Tijari Wafa Bank. Moi j'ai été ravi de participer aujourd'hui à ce séminaire, étant donné l'importance de la région Afrique australe et de l'Est pour le groupe Tijari Wafa Bank, étant donné que c'est dans les projets de l'expansion régionale ou de la poursuite de la stratégie d'expansion régionale du groupe. Nous ne sommes pas encore présents dans ces pays, mais c'est dans les projets de la banque. J'ai eu le plaisir de présenter les grandes lignes de la stratégie d'expansion du groupe Tijari Wafa Bank, qui est basée sur un constat objectif de la maturité du secteur bancaire marocain et du fort potentiel de croissance que la banque peut aller chercher dans les pays d'Afrique subsaharienne. C'est l'histoire des 10 dernières années où le groupe a pu développer sa présence dans une douzaine de pays à travers l'Afrique. Pour l'instant, ça reste encore la Tunisie et certains pays de la plupart, je dirais, des pays de l'UEMOA et de la zone CEMAC. Aujourd'hui, la banque projette d'aller vers des régions qui ne sont pas nécessairement dans une même proximité culturelle ou géographique avec le Maroc, mais où le potentiel reste également intéressant. Maintenant, il y a effectivement des difficultés à gérer. Dans toute entreprise d'expansion, il y a des risques, il y a des différences culturelles ou de réglementation qui restent un défi ou qui représente toujours un défi pour tout projet d'implantation d'un groupe étranger. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir d'échanger quelques idées, quelques réflexions sur ce thème-là. Et je suis ravi de voir qu'il y a des initiatives en cours pour faire mûrir des pistes d'action à la fois du côté du public que du secteur privé et des associations. Voilà, merci de m'avoir invité et puis à prochainement.